La vie humaine est sacrée. À toute puissance publique, faut la protéger. Elle est inviolable en tout temps. À toute organisation, faut la respecter. La vie humaine est sacrée. Réveillant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est inviolable en tout temps. Autorité citoyen, levons-nous pour nos droits consacrés par nos lois aux oiseaux. MC fonctionnaire. L'unité, la diversité culturelle et religieuse, notre richesse. L'unité des nations dans la diversité. La paix, justice, notre meilleure promesse. Le respect des droits humains de toutes. Dans l'égalité et la dignité est notre assurance. La jouissance de la liberté et de l'intégralité physique et morale de la personne humaine est notre espérance. J'ai la liberté d'aller et venir sur notre territoire national. Notre propriété, personne ne doit nous contraindre à l'exil. Notre ancienneté. Je suis arrêté, amené sans mandat d'amener. Pourtant la déclaration et nos lois exigent le mandat d'arrêt. Mon domicile souvent violé, sans mandat de perquisitionné. Pourtant nos lois exigent le mandat de perquisition. Emprisonné indéfiniment sans alimentation et jugement. Pourtant la déclaration exige le droit d'alimentation et le droit au jugement. Pourquoi, pourquoi chez moi la loi n'est pas respectée? Hey, j'ai mes pépé, oh. La vie humaine est sacrée. À toute puissance publique, faut la protéger. Elle est inviolable en tout temps. À toute organisation, faut la respecter. La vie humaine est sacrée. Réveillant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est inviolable en tout temps. Autorité citoyenne, levons-nous pour nos droits consacrés par nos lois aux oiseaux. Gawela, gawela, gati tene tatene jitene kanto mayagona dawala. Kanto tiso kwezo, il faut mon inga titu kokbo kutinja tiso. Oye titu ti libre, il faut mon inga titu vivre, tu ko livre. Ma maman m'a toujours dit que l'éducation commence au berceau. C'est la base de toute civilisation. J'avoue que c'est un processus difficile, mais qui a une bonne conséquence sur la société. Mon éducation est bafouée, retardée et dans l'insécurité. Car mon école est occupée par des groupes armés. J'ai le droit d'être instruit et d'être formé. MC fonctionnaire. Cela m'est garanti par la Déclaration universelle et par la loi. Ma santé est bafouée, ignorée et dans l'insécurité. Car mon hôpital est occupé par les groupes armés. J'ai le droit d'être soigné et formé. Cela m'est garanti par la Déclaration universelle et par la loi. Libérez mon école et mes enseignants. Libérez mon hôpital et mes médecins. Libérez mes droits, chrétiens, musulmans ou animistes. Vivons en paix pour au mieux jouir de nos droits. L'application de la Déclaration universelle de droits est le socle de notre cohésion et notre réconciliation nationale. Respectant, défendant dans nos différentes culturelles, religieuses, sociales, raciales, la valeur, personne humaine. Johnny Wallan, Johnny Mieti, Douti Nanga. Depuis tellement longtemps, on a vécu dans cette situation. Si bien qu'on vit comme des premiers hommes, voilà pourquoi dans mon pays, on ne respecte pas les droits de l'homme. Pourtant, notre respect des règles de la Déclaration universelle nous préserve de la guerre, nous rend signe de la paix, la jouissance de nos droits et de la justice. MC fonctionnaire. La vie humaine est sacrée. À toute puissance publique, faut la protéger. Elle est inviolable en tout temps. À toute organisation, faut la respecter. La vie humaine est sacrée. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est inviolable en tout temps. Autorité citoyenne, levons-nous pour nos droits consacrés par nos lois aux oiseaux.